Bonsoir, les conditions furent très estivales aujourd'hui à Lyon avec un mercure qui a grimpé jusqu'à 30 degrés. Mais attention, les orages sont attendus ce soir et la nuit prochaine. Prudence donc. En effet, les intempéries se poursuivent. La situation reste instable avec des pluies orageuses actives sur une grande partie du pays. La France reste sous l'influence d'un système dépressionnaire qui se décale en Manche demain et qui sera ainsi responsable de conditions météo agitées. Attention, une zone très instable va toucher la région PACA, la Corse également, demain, où de violentes cellules orageuses seront à redouter en cours de journée. Les températures seront au-dessus des moyennes de saison. Demain matin, il fera 24 degrés du côté de Nice. En matinée, nous retrouverons encore le front instable d'aujourd'hui. De l'Alsace aux Bouches-du-Rhône où des averses, parfois orageuses, éclateront. Partout ailleurs, l'ambiance sera souvent nuageuse. Et puis, un front pluvieux va s'inviter le long des côtes de la Manche avec des rafales de vent. L'après-midi, le temps sera maussade, frais et très pluvieux. Du nord de la Bretagne à la côte d'Opale, sous un vent qui restera assez fort. À l'avant, les averses seront plus nombreuses au fil des heures. Et c'est de l'Aquitaine à l'Alsace que le temps sera plus calme et lumineux. Attention aussi aux orages qui seront forts entre le Lyonnais, la région PACA et la Corse. Ces orages vont chasser peu à peu l'air chaud vers l'est. Par conséquent, les températures seront de nouveau en baisse de 4 degrés. Nous repasserons 2 à 3 degrés en dessous des normales climatiques. Prévoyez 19 degrés à Paris. Lundi, les conditions météo resteront encore instables sur la façade est du pays. Mistral et Tramontane souffleront très fortement en Méditerranée avec le retour du soleil. Mardi, nous prévoyons une franche accalmie sur presque tout le pays. Quant aux températures, nous serons toujours en dessous des moyennes de saison. Et puis pour mercredi, un front froid pluvieux, assez actif, à traverser le pays avec un vent d'ouest à nord-ouest qui fera encore baisser les températures. Ce soir, ne manquez pas la fin de la 13e saison inédite de NCIS Los Angeles. Très belle soirée à tous sur M6.